ans, mais aïe. Comme dans un camp de concentration. On est là, on a des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Vacciner, je l'enlève de l'école. Parce que le Pfizer, il n'est pas viable. Au bout de 5 à 6 mois, il n'est plus valable. Donc maintenant, ils vont vous injecter le Moderna, qui ne va peut-être pas aller avec le Pfizer que vous aviez dans le corps. Donc il faut arrêter les conneries. Faut arrêter. Ils se servent de nous et ils oublient de dire combien de jeunes sont décédés à cause de ce vaccin pour pouvoir continuer leurs études. C'est inadmissible, inadmissible de voir ça. Et ce n'est pas un vaccin. C'est pas un vaccin. C'est un sérum expérimental. Mais c'est une injection, ce n'est pas un vaccin. Voilà, ce n'est pas un vaccin. Un vaccin, ça se protège. Sauf qu'au bout de 5-6 mois, eh ben, vous n'avez plus d'immunité. Donc il faut encore se refaire vacciner. Donc c'est pas un vaccin. Ils n'ont déjà pas trouvé le vaccin du sida. Ouh. Ah, merci, merci. Les gilets jaunes. 11 vaccins mis en examen. Oui, bah oui, je vais étonner. Moi, je suis en train de faire.
certains 2000 mis en examen. J'arrive pas à voir. Ah, 2027. Oh là là. C'est parce que vous obéissez que cela continue. Translève-toi. Pas juillet 2022, mais après. C'est pas la peine de... C'est pas la peine de rien.
Vous êtes en train de leur louper BFM Télé, là. Ils ont loupé 5 minutes, là. Parce que la télé est en rate. Ça, c'est drôle. Bien. Ça, c'est ils drôle. Ils ont loupé BFM, là. Ils vont être traumatisés. Replay, replay, BFM, replay. Ouais, ils sont là. Les effets secondaires, c'est pour ce mois-ci ou le mois prochain? Comment je fais? Ça va arriver quand? Bah attends, ça va venir. Ah oui, c'est les cagous. Cagous qu'on dit, c'est A-G-O-T-S. Les cagous. Et dans moins de 10 ans, tu ne seras pas encore à la retraite. Tu la vois un jour. De toute façon, il n'y aura plus de retraite dans 10 ans. Non, mais c'est pas ça. Ouais, oui, ils vont faire pour leur petit avancement. Mais non, il y aura plus de retraite parce que j'ai pas mes chèques pour 26 heures. Bah oui, bien sûr. Ah, oh, c'est mon drapeau, il se casse la gueule. Ça pour un petit taf de merde. Hop. La retraite, je sais pas ce que ça va donner. T'as dit, ça va? Heureusement, vous n'êtes pas soignant. Ah bah moi, tiens. Ah bah quand il faut, mon gars. Elle vient d'augmenter. Elle va être à 8% là. Et quand tu vas passer 100 balles, la retraite, ça va plus exister. C'est mort là. Mais moi ça me tue parce que tu vois. C'est que. Mars 2021, peuple au patron. Novembre 2021, abandon. Mars 2021, peuple au patron. Novembre 2021, soignants suspendus, cinquième vague, lits supprimés. Véran vacciné, mais élimine à tour de bras lits et soignants. Femme citoyenne libre, déterminée à le rester. Les élus sont corrompus.
labos sont engraissés avec nos impôts. Et les labos sont engraissés avec nos impôts. Oh putain, j'ai plus peur. Il y a des temps pour la fin. Ouais. Allez, à la fin, il y a des temps pour Jésus, à Notre-Dame, à la Basilique. Oui. Au Sacré-Cœur. C'est honteux, ça. Ah, ils disent aller aider la dame âgée. Ah, ok. Il y a Montargis, Chalette, Amélie, voilà. Les villes. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. C'est une tu me dépouilles là. Hein? Tu me dépouilles là. Moi, règle 45. Voilà. Allez, je te suis maintenant. Hein? Fais comme les inspecteurs là. Hein? Ensemble, mais quand on ira bonsoir chez eux, il n'y a pas l'idée qu'ils rentrent plus.
perso là. Parmi les... Salut. Ah, c'est droite gauche. C'est droite gauche. Très bien. Il y a une belle ambiance aujourd'hui. Tout le monde s'embrasse aujourd'hui. Bah, c'est bon, on s'embrasse tout le temps, nous. Hein. Mais c'est la journée des bisous. Ah oui, bonjour, ça va? Non, c'est dur. Obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir. Et là, il a eu la croix rouge. Bonjour, ça va? J'ai du grand test liberté, on lâche rien. On n'en veut pas. Il y a marché mon pote. Non mais il y en a, on t'a pas aussi en vitrine. Macron, la gueule. On n'en veut plus. T'as un minute, regardez.
Tu prends ta responsabilité et t'as les mecs.